C'est bon, c'est parti. Party Girl sur PlayStation 2, un jeu magnifique. Avec un très beau résumé. T'as vu, je suis vraiment comme les on le croirait sur YouTube. Alors, avec une caméra sur moi. Alors, Party Girl, voilà, on fait une petite partie pour montrer un petit peu ce que ça donne. Je crois qu'il y a un chat qui a foutu ça. Ouais, comme d'hab. Alors, pour le premier test, c'est Joe, que vous connaissez tous, qui va. Au moins. Qui va faire le test, qui va nous montrer son skill. Il va nous montrer son skill sur Party Girl. Ouais. Alors, vas-y, fais-nous voir un petit peu les settings. Les options, parce qu'il y a quelque chose à régler. Très important. C'est le breast shake, en fait. Voilà. Tu peux mettre weak ou strong. Okay. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui. Très important. Sinon, les seins, ils bougent pas. Alors à quoi tu joues? C'est ça. 14 ans, c'est nichon. Ah attends, mais c'est pas des nichons vrais, c'est du nichon c'est du nichon jeu vidéo. Attention. Hein. Sauf ouais, pas. C'est pas du tout. Je lui pourris un peu sa carte mémoire, c'est histoire de. Ouais, une petite sauvegarde de Party Girls. Ah non, mais c'est joli. Hein. Franchement, c'est pas dégueu graphiquement. La porte de son est exceptionnelle. Hein, ah bah, attends, parce qu'en plus, t'as les crédits. Non, ah, mais ça non, il est pas marqué en deux. Ah putain, je suis obligé. Je vais vous montrer tout seul alors. Tant pis. Alors, nous avons. Donc, qui on choisit, les gars? C'est toi, Larousse. Tu vois, ça, c'est un peu. Un peu pédante quand même, tu vois. T'es coincé, mais pédante, tu vois. C'est-à-dire, faut payer des restos. Ah, avant d'être touché, tu vas payer beaucoup d'argent. Oh putain. Yuka Mizuki. Là, tu vois l'œil bovin, tu vois. Tu vois. Qu'est-ce que tu nous sors? Ça, tu vois, bon, si t'as un peu de pognon, ça passe. Alors là, ouais, voilà, voilà. Là c'est Astar déjà. Voilà. Ça c'est trop cher pour là, nous. On a la ça c'est trop cher pour nous les gars. Minako Sakurai. Du champagne. Voilà. Ça c'est champagne. Ouais, voilà. La fille du fermier. C'est la fille du fermier au gros nibar. Ouais, hein, voilà. Je pensais qu'il y en avait plus pour dans le jeu. Ah mais ça c'est le genre de meuf qui te traîne une vache et tout. Ou qui te traîne autre chose. C'est l'amour et dans le pré, t'es version japonaise. Ça me plaît. Tiens, ça me plaît. Regardez cette stupidité, tu vois. Ça, c'est. Tu vois, franchement, là, la meuf, elle a fait un CAP coiffure. Ça se voit immédiatement. Donc, on va la prendre. Bon, Kana Momotono. Bon, club de maths, etc. Bon, y a rien à en tirer. Avec les cheveux verts. Une petite pâteuse à lunettes, c'est Miyu Araki. Bon, coupe de cheveux un peu rond, extraterrestre. Donc, on va prendre elle. Contre. Et on va jouer contre la fermière. Ouais, la fermière, ça vous plaît, hein? Voilà, ça vous plaît, les gars. C'est pas la même pose, d'ailleurs. Ouais. Voilà, bon, allez. Premier mini-jeu. Eh ben, tu vas. Alors, tu parles pas anglais? Ah, c'est con. Tac, ça c'est fait. Donc là, le but est de pousser l'autre dans l'eau, tu vois. C'est à base de coups de cul, celui-ci. Ouais, hein. Enfin, c'est à base d'esquive. Oui, hein. Non, mais pour faire tomber, faut un coup de cul, quoi. Ouais, ok. Mais non. C'est standard actuel. Non, mais sérieux, tu. Tu vas bousculer, elle se casse un peu. Putain. Ah ouais. Elle a quand même un peu de skill là. Ce jeu de la honte. Bim. Et tac. J'aimerais dire que la vie touch est juste énorme. Carrément. Il y a au moins 85. Attention, surprise. Il y a au moins deux fessiers en fait. Un replay, c'est nerveux. Et attention, un replay où t'es obligé de tout mater. Ouais, voilà. À la fin. On peut pas passer. Hein. Ah si. Ah si. Oh, oh, t'as fait comment? Je sais pas. Je veux savoir. Je sais pas comment j'ai fait. Putain, c'est bon. 1-0, les gars. Putain, merde. Mais du coup, ça réduit la durée de vie du jeu. Ouais. Alors. Bon, là, c'est du trapèze, hein, les gars. Bon. Faut se rapprocher le plus du centre de la petite île. Ceci dit, l'effet d'eau est pas mal quand même. Ouais. Ah bah là, vous voyez, Brice Blue Storm, il y a du budget quand même. On se prend l'impression, oui, ok. Par contre, ça, on peut toujours pas y passer. Hein? Mais non. Regarde ses bras, s'il doit des dessins. Ah, mais gros, c'est pas grave. Ce qui est génial, c'est le public. C'est Michon, il casse pas le dos. 34 centimes, pas mal. Ouais. Pas mal. Voilà toute la maîtrise. On a vu mieux, mais. Oh, c'est moche. Comment c'est game over. C'est game over.
Ah, et puis tu perds bien tout, quoi. Ouais, t'es obligé de gagner tous les mini-jeux. Ah, je continue. Ah, mais alors là, c'est moche. Pas des... C'est mort, là. C'est mort. Là, c'est moche, là. Là, c'est mort. Il va faire 1 cm, je sais pas comment faire. Ah, mais faut arrêter de déconner, ouais. Pourtant, c'est pas le plus difficile, hein. Vous continuez comme dans Castlevania, donc c'est bien joué. Allez. Ah, c'est pas mal. Ouais, non, mais ce sera pas suffisant. On va faire 2. Allez, 200. Toi oh, l'égalité. Eh ben, tu gagnes. Eh ben, voilà. Voilà, victoire par défaut. Oh, mais la séance d'enregistrement du doublage du jeu, c'est... Regardez, notez les plans. Il y a pire, hein. Et franchement, il y a pire quand même, hein, au niveau plan. C'est vraiment qu'on ait des érections avec ça, c'est ça que je fous. Tu veux que je te montre? Donc ça, c'est sorti en PAL. Ouais, ouais. Bah oui, la preuve, hein. Voilà. Pour Gatsu. Peggy 3. Peggy 3. C'est important à noter. Mais si vous avez des gosses, vous pouvez jouer ça. En famille, ah, ça passe. Eh, ceci, il est génial si tu perds, avec ceci. Tati, mamie. Ce mini-jeu est génial si tu perds. Ils ont pas de muscles, quoi. Ah, la vache, la pose. C'est totalement nul. Et voilà. En fait, voilà. C'est quoi ce truc? Bon, j'ai gagné encore! À l'origine, le but du mini-jeu, c'est donc tu fais tes brasses, ouais. Et voilà. À 3 mètres, à 3 mètres tu t'arrêtes de nager, mais du coup, si tu vas trop long, trop près du bord, tu finis dans le cul de l'autre. Ouais. Voilà. Ah, c'est bon ça! Ah, c'est sympa comme jeu! Pourquoi t'as gagné? Tu fais chier. Je suis en train de vous speedrun le jeu, les gars, attention. Ah, le run and jump. Waker de Vandal et Real Myop, là, les gars, attention. Ouais, elle est pas mal. Ah, celui-ci, c'est l'enfer, par contre. Mais non. Bah, non, il est trop long. C'est stratégique. Il est trop long, mais il est trop long. C'est stratégique, c'est. En fait, t'as que 5 jeux. En fait. Non, il y en a 15. 5 fois 3. La meuf, elle est statique, mais elle a ses bivards qui bougent. Regardez, regardez ce mouvement. Le pire, normalement, c'est le replay parce que la caméra est juste en dessous des nanas. D'accord. Il va se faire le replay, s'il vous plaît. En fait, faut gonfler le ballon, mais faut pas le péter. Et tu changes, tu switches de personnage quand tu veux. Actuellement, observer la physique parfaite du bustier. Il y a un jeu comme ça dans l'arrière. Dans mes reparties, je crois, il y en a un comme ça. Là, je mets la pression. Là. Et voilà, ah merde! Et okay. Voilà. Putain, alors c'est de le retaper. Ah, comment gagner sans jouer? Putain, c'est track and field là, les gars. Tu vas lui niquer la seule manette qu'il a. Voilà. Comment elle marche? C'est pas de crabe. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est détaillé, quoi. Donc là, attends. Un moteur physique uniquement pour les nibards, quoi. Voilà. Stratégie. Et voilà. Voilà. Bim. Bim. Mais 4-0, les gars. Qu'est-ce qui m'arrive? Très beau plan. Très beau plan pour ralentir. Ah, mais c'est toute la partie en fait. Ouais. Ah, d'accord. Okay. Bien sûr. Après, t'as le nom des musiques si tu les téléchargé par chez toi là. Voilà. Si tu les écoutais chez toi. C'était bien marche. C'est vrai qu'il y a un vrai nom de. Est-ce qu'il va nous faire le grand chelem? Alors celui-ci. Celui-ci, mon petit. Et t'es obligé de le finir avant l'autre en plus. Et c'est impossible. Mais si, c'est possible. Impossible. Mais tu peux passer le truc, quoi. Et voilà, ah, tu vois, c'est impossible. T'as une chance sur deux à chaque fois, mais non. Et c'est une chance sur deux à chaque truc.
La fois où je t'avais battu à ça, il y avait des indices, mais je sais plus ce que c'est. Non, c'est juste que t'avais fini plus loin que moi, au final t'avais pas gagné. Ouais, t'avais eu zéro aussi. Et ça marche pas de faire comme l'autre, d'ailleurs. Mais attends, mais en plus, c'est même pas les mêmes patterns. Oui. Ça change à chaque partie, c'est impossible. Mais ça n'a rien à voir avec comment tu sautes sur le truc, quoi. Non, rien à voir. J'ai essayé de voir en fonction de si ça venait des vagues, qu'il fallait attendre, s'il fallait faire l'inverse de l'autre, ouais, la même chose. C'est même pas symétrique. Putain, ouais, mais c'est qu'il est bon, là. Oh, putain. Ah, putain. Mais sinon, est-ce que si j'attends à ce qu'elle tombe, ça marche? Non, ça le tombera pas. Mais putain. Attends, mais il y a un truc, c'est obligé. Ouais, ouais, il est logique. Bah, j'attends qu'on me la dise. Putain, c'est même pas en faisant l'inverse de l'autre. Hein, c'est... Putain, mais c'est comment? C'est du cul. C'est du cul. Ah, c'est pas possible, il y a un truc. C'est. Bah, attends, t'as vu le jeu que c'est? En fait, y a peut-être pas 15 épreuves, y en a que 5. Non, il y en a vraiment qu'un, tu peux choisir, tu peux choisir entre 3 groupements de mini-jeux. Ah, c'est sérieux, je trouve. Au début. Mais comment en fait? Eh ben, coup de cul. Ah, c'est une chance sur deux à chaque fois que t'as. Arrête, il y a une chance sur deux, il y a au moins 10 obstacles. Une chance sur deux à chaque obstacle. Ça fait 2 explosions 10, ça fait combien d'obstacles en tout? Parce qu'il y en a 10, ça fait 2 explosions 10 possibilités, donc c'est impossible. Ça fait un super long, quoi, c'est tout. Ouais. Et quand tu joues à deux, c'est le premier qui tombe qui a perdu ? Ouais. Non, faut finir. Sinon, ça fait égalité 0-0. Okay. Je comprends pas. Je suis désolé, mais. Je peux tester ? Hein ? Ouais, je sais. J'ai jamais de chance au jeu de hasard, mais peut-être que là. T'étais pas loin, toi, là. Hein ? Ah ouais, putain. Ah mais les mecs qui sont au centre. Ah non gros, faut se mettre sur une plateforme. Peut-être qu'elle s'est marché sur l'eau en fait et que c'est le fait de monter sur un autre truc. Bah c'est pas. C'est peut-être sa fille. Ah faut maintenir. Ouais. Ça c'est technique aussi. Le mec qui joue à Wonderful 101 en hard, mais party girl en normal, non. Ah merde, faut maintenir et tout. Ok. Ah, il faut maintenir. Okay. Voilà. Et bim. Alors. Non, mais c'est impossible. Non, c'est impossible. Je pense que je vais faire le cercle avant. Et sans la spéciale, tu sais, on sait jamais. On sait jamais, mais c'est. C'est parti. On est en mode teubé. Oh ah putain! Oh, en plus, t'étais en avance, quoi. Ouais, mais. Je suis concentré, hein. Merde, c'est un coup, mais je suis concentré. Okay. À part de question, est-ce que c'est le même parcours qu'elle a de l'autre côté? Non. Bah, si, oui, mais on peut pas faire la même chose. Voilà. Ça sert à rien d'essayer de limiter. Et comment ça se fait que l'ordinateur, lui, sache à tous les coups? Parce que c'est l'ordi? Parce que c'est l'ordi. C'est mettre contrôle, principal. Voilà. Il y a un script. Non, mais là, c'est. Je sais pas si quelqu'un a essayé d'étudier ce script là, mais. Faut regarder sur GameFAQs en fait. Il y a forcément un truc qu'on voit aussi nul. Je fais une histoire de fou. C'est le designer. Il y a forcément un truc qu'on voit pas, tu sais. J'ai essayé. Il n'y avait pas un descriptif. Je suis resté 3 quarts d'heure sur ce mini jeu là, Un descriptif. En fait, dans la notice, il y a le descriptif des meufs qui participent. Ouais, t'as leur groupe sanguin, le genre de mec qu'elle recherche. Ouais, voilà. Tu sais, si tu veux t'identifier, tu vois. Les études, non. Attends, mais il y a le descriptif des épreuves. C'est Party Girl, lui ? Ouais, PS2, Party Girl. Girls. Ouais, non, c'est complètement. C'est aléatoire à chaque fois. Ça change à chaque fois. On va jouer au D, ça serait pareil. C'est ça. Ah, les poules, je sens bien le poule. Eh ben non. Bon, les poules, c'est pas fiable. On va revenir sur le coco. C'est quoi les poules? Il n'y a pas de nom pour Si, bien sûr que si. C'est Run and Jump. Run and Jump? Ouais. Ouais, c'est ça. Le mec, il a étudié quel nom des épreuves par terre. Non, c'est marqué en haut à droite. Merde. Ferme-le.
J'avais le chinois. Non mais au pire, vas-y, balance un autre ah, vas-y, balance. Jeu là, parce que sinon... Voilà. Parce que faut qu'on monte le rub là. Voilà. Ça, ah ouais, c'est... Ça c'est du bien joué. Ça. Rub, c'est dire frotter, non, c'est ça. Tout à fait. Non, vas-y, on voit le deuxième. PlayStation 2, tu verras, il y a des jeux super. Ah mais, celui-ci, tu te rappelles de l'IA dans... Bon, qui on prend, les gars? Qu'est-ce qui vous plaît, là? J'aimerais bien les cheveux bleus, là, un côté un peu... Ça? Non, non, ça, c'est bleu. C'est là, un peu mystérieux. Un peu, tu vois, je suis plus au garde à vous, quoi. Ouais. Ça vous plaît, ça, les gars? Ouais, c'est leur mercure. Bon, qui? L'intello? Hein, les connasses. La vernique. Ouais. C'est un truc de sport. Donc ça, là, ça, c'est le même jeu que le premier que vous avez vu, mais en reverse. Et là, on se touche les seins, en fait. C'est assez intéressant. Ouais, il y a un plus gros pushback. Quoi. On tape dans le haut du tableau. Là, ça devient sérieux. Là, ça devient... Les choses deviennent sérieuses dans cette c'est pièce. C'est limite du e-sport, en fait. Ah ouais, bon, ouais, prends la grosse attention. Sympa. Vous avez bien choisi. Regarde-moi ça. Je suis timide. Frêle. Elle a mis un petit paréo, hein. Et touchez-vous. Voilà. Bim. Chabi. Putain. Putain, bon, ça s'accroche, hein. Seul, j'ai jamais réussi à passer. Hein. Mais et putain. Dans celui-ci, l'IA. Ah, c'est fou! C'est mort! Un petit sepoufou! C'est mort! On dirait un peu les jeux à la con là, qui font les japonais là, tu sais, en extérieur. Ouais, leur sorte d'interville. Ouais, c'est oui. Ça, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Et bim! Tu vas y aller, la flotte, tu vas y aller! Sa recover est quand même vachement plus rapide que. Et oh, ouais, parfait. Ouais. Ah oui, c'est... C'est quoi cette physique cacophonie. Hop. C'est de la flotte qu'elle vous dans le monde. Ça, c'est la langue japonaise, ça, les gars. C'est pas des piaillements. Bon, bref. Ouais. On connaît la fin. Il y a des meufs pour doubler ça après. Ouais, oui. Ah, celui-ci. Oh putain. Ah là, c'est 5 secondes. Ouais, mais c'est pas 5 vraies secondes. Hein. Ah j'ai bon compté le truc, ouais, c'est pas 5 vraies secondes. Hein. C'est plus long. Oui, d'accord, c'est beaucoup d'accord. Plus long. Ouais. C'est beaucoup plus long que 5 secondes. Faut appuyer une première fois et la deuxième fois quand on pense que les 5 secondes du jeu sont passées. Et celui qui est le plus proche de 5 sans avoir dépassé gagne. Oh putain! C'est chaud! On est d'accord, c'est pas 5 secondes. Hein. À 4,60, c'est balèze, hein, quand même. Ah non! Putain, c'est non, pas faut, faut vraiment avoir le réflexe d'appuyer juste après l'autre, quoi. Ah ouais? C'est pas con, ça, en fait. Bah oui! Eh oui! Eh oui, en fait, il suffit de la regarder! Le réflexe! Non, c'est pas c'est au réflexe là! C'est frame perfect! Comme on dit dans le métier! C'est frame perfect! Il va falloir que tu balances la furie à la frame perfect! Ouais, c'est ça! Tac! Et voilà! Oh, elle marche la technique! Encore une victoire de Yuka Mizuki! C'est ça! Et voilà! Bon, 20 minutes de vidéo, quand même. Oh putain, ça c'est énorme. Ça aussi, ça, je t'avais tellement battu à celui-là, oh là, le mec comprenait pas, tu sais. Mais il est dégoûtant ce jeu. Là, ça t'écoute. Très voilà. Bien. Ça, c'est un tips. Comme ça. Une petite astuce chez vous, les amis. Voilà.
c'était le premier. Ah bah allez. Pas déconner. C'est Fun Perfect aussi. Ouais, c'est vrai. Et tac. Bien. Avec son cheveu. Là, il vient une fin, n'est-ce pas? Ouais. On a payé. Ah. Des... merde. On a payé des gens pour avoir ces idées-là. Ouais, ouais. Non, le pire, c'est qu'il y a des gens qui achètent. C'est ça. Ouh, deux partout. C'est chaud là. Non, le pire, c'est qu'ils exportent ce genre de jeux. Et c'est distribué en Europe. C'est ça, quoi. Trop tard. Et pas d'autres jeux, quoi, qui sont géniaux, quoi. Quoi, bon, ça coûte moins cher. C'est qui critique là? Non. Là, il n'y a pas de train à faire. Putain, je crois que je vais me l'acheter. Mais oui, c'est le meilleur investissement sur Play 2. Rapport qualité-prix. Ah, faut pas déconner là. Ça, c'est bien vraiment quand tu joues à deux. Hein, c'est là où tu te marres vraiment. Là, bon, là on se marre, mais c'est 10 fois mieux quand tu joues avec pote, quoi. C'est mon conseil d'achat Play 2 pour ce Noël 2015. Party Girls. Courez l'acheter chez votre revendeur agréé. Ah mais attends, elle est trop balèze. C'est un truc de fou là. Hey. Oh putain. Joue de bluff. Et en plus c'est la preuve d'après, Rob Rob. Ouais, faut le finir celui-ci. Faut le finir. J'arrive. Il y a l'option pour désactiver le son du public ou Non. Ouais. Non, tu peux mettre le son en mono ou en stéréo si tu veux. D'accord. C'est à peu près tout ce que tu peux faire. La meilleure immersion au casque. Non, tu devras supporter le cri des supportrices japonaises. Hey, parce que c'est presque pire que Vuvuzela sud-africain. Oh, t'es sûr putain. Qu'est-ce qui est le plus pire? Vuvuzela ou ça? Bien. Ah, c'est bien, ça va se jouer. Moi, je parie sur le chauve là. Ça va être le chauve. Alors. Mais putain, c'est impossible. C'est grave. C'est quoi ça? N'empêche, si t'arrives à finir là les jeux, tu vas débloquer un perso quoi. Perso que tu peux voir dans le. Utilise la force du boobs. Là, c'est bon, moi. Ouais. Mais tu es obligé d'attendre que ça s'arrête pour valider ou Non, je crois. Là c'est pour moi aussi là. Ouais, ou c'est bon là. C'est ah là bon, il est là. Chaud là, Joe, il est Joe, il est chaud. Il est Joe, il est Joe le chaud. Il est Joe le chaud. Là c'est pour moi là. Et tac, Fanny 3-0 quoi. 3-0, Fanny. On peut voir un petit peu le guide du jeu. Magnifique, bien sûr. Bien sûr, t'as les modèles en 3D avec il y a l'histoire de description des demoiselles. Voilà, bien sûr. Voilà. Parfait. La personnage qu'on a, comment elle s'appelle ? La taille. Yuka Mizuki. Elle est également une nouvelle idole et la rivale d'Ayano. Dès ses débuts, elle a été très populaire chez la génération la plus jeune. Premier dans le choix. Le mec, il connaît toutes les meufs du. Elle a un caractère de garçon manqué, épanoui et solide. Est-ce qu'elle cherche un gars qui ressemble à son père? Non, c'est pas elle. Non. Elle a des. Bah ouais, j'ai quand même. Moi, j'ai lu le bouquin. Bah, son livre de chevet sur sa table. C'est ça. Elle déteste le poivre. Merde. Ah voilà. Ça, c'est un peu. La technique, c'est la technique du puceau. En fait, faut prendre la manette, la poser et faire ça. Ouais. Je la connaissais pas, ça. Voilà, c'est mon conseil de. Ouais. C'est le tips. Bon, c'est mon petit tips spécial Party Girls pour le mini-jeu Rub. À reproduire chez vous. Voilà, reproduire chez vous. Donc, vous posez votre manette sur la cuisse et tac. Amis, famille, voilà, regardez. Regarde. Oh là 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 là. Et ça change, là. Et tac! Voilà! Bim! Dans ce phallique. c'est encore un peu timide, mais. Ouais, ça. C'est presque ça, tu me diras. Ça monte. Alors, c'est chaud. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est tellement chaud que tac, ça part, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, tout le monde est content, visiblement. Le jeu des sables, n'empêche, là aussi il y a une autre technique, c'est au niveau de l'esquive. Il faut faire vraiment de l'esquive, tac, et on te touche jamais.
J'ai un pote qui m'a fait ça, il m'a dégoûté. Et du coup, ah oui, mais oui. mais il y a un background. Il y a un background. Ah ouais. C'est quand même poussé. Hein. C'est quand même poussé. Mais c'est plus que les murs. Tac. Ah putain. C'est le dernier jeu, j'y arrive. Bah, pourtant, c'est pas le plus difficile des derniers jeux. Ouais. On a vu tout à l'heure. Voilà. Le pire. Alors, en dernier jeu, non, c'est le plus facile. Tu vois, faut vraiment à peine esquiver. Tu peux attaquer en même temps. Enfin, c'est. Ah bah ouais, c'est quoi, toi tu fais deux coups, ouais. Coups ouais. Et voilà monsieur. Et voilà. Et sauvegarde bien, je récupérerai la sauvegarde. Je vais avoir un nouveau perso là. Et un nouveau perso après. Je viendrai avec une carte mémoire. Old school. Voilà, Fanny, 5-0. Bim, allez. Fanny. Super. Oh oui, c'est bon ça. C'est bon, nouveau maillot de bain, ça. Ça, c'est voilà. Bien. Voilà. Ça, c'est bien. Venez chez Fafi récupérer votre sauvegarde Party Girls. On fera une copie. Voilà. Attends, voilà. Ça défie tout le monde. Oui, je vais. Feel being the winner. During the race, I could hear my fans' voice. Thanks, everyone. Would you like to? Dédicace. Certaines lignes, ma petite grand-mère. Ah oui, sa petite grand-mère. C'est, ouais, sur, ouais, ouais. C'est sur cette très belle note de joie, comme on peut le lire sur le visage de Yuka, que nous allons arrêter cette première vidéo. Une attitude un peu voilà. Autiste. Voilà, c'était Party Girls sur PlayStation 2. C'est sorti en PAL. C'est sorti en PAL, voilà, avec un très beau générique. Par contre, là, tu vois. Là, on peut pas le passer, par contre. Ah, si, il est passé. Et voilà, donc c'est disponible en PAL, mettez-y pas plus de 5€, hein, c'est ce que je vous donne. Moi, ouais, j'irai 2, moi. Malheureusement, sur Internet, c'est dans les 5€. Ouais. Pas toujours. Ouais. Entre 3 et 5€, on va dire. En magasin, je pense que ça se trouve à moins cher, mais faut le trouver. Voilà. Faut peut-être récupérer les deux.